Otep, cher Kamit, alors je vais faire un partage aujourd'hui en ce qui concerne le rituel d'argent une fois de plus. Alors, ce rituel se fait le mercredi matin et vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin d'un billet, pourvu que le billet soit assez propre et assez... disons pas vieux. Voilà, vous avez un billet craquant neuf. Vous avez une bougie verte, ça c'est une bougie spéciale, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle bougie verte. Ensuite, vous avez une soucoupe, donc quelque chose qui fera en sorte que si la bougie s'éteigne, qu'elle ne puisse pas brûler l'argent, qu'elle ne puisse pas brûler votre maison. Cela fait, vous avez donc choisi la bougie. Vous avez un peu d'huile d'olive que vous allez utiliser. Vous êtes bien lavé tout le matin. Vous allez prendre quelques gouttes d'huile d'olive. Vous allez mettre sur votre paume de main gauche. Vous allez frotter les deux mains. Ensuite, vous allez mettre quelques gouttes sur votre bougie verte. Bien la frotter, la bénir et faire une prière personnelle. Par exemple, vous pouvez dire: je bénis cette bougie afin qu'elle soit un élément attracteur de fortune. J'autorise l'énergie argent à venir à moi. Vous allez dire tout ce que vous voulez. Ensuite, vous allez déposer la bougie sur. Vous utilisez un gobelet ou un porte-bougie, ce que vous voulez. Pourvu que ce ne soit pas trop distant de votre bien. Ainsi, vous allez donc allumer votre bougie. Veillez à ce que le billet soit orienté de la direction est-ouest. Vous le faites très tôt le matin. L'est, c'est le côté où le soleil se lève. L'ouest, c'est le côté où le soleil se couche. Vous êtes donc du côté ouest et face à l'est. Le billet commence à se lire à partir de l'est. C'est-à-dire que les énergies entrent de ce côté-là. Le billet commence à se lire à partir de l'est. Vous allez donc allumer votre bougie. Restez méditatif, vous allez vous imaginer donc avec la somme que vous voulez. Ne pensez pas à des sommes que vous n'avez, que vous ne pouvez pas facilement avoir. Si par exemple tu n'as jamais eu 1 million, ne commence pas à méditer pour 1 milliard. Voilà. Donc médite pour quelque chose de. Fais quelque chose d'assez simple, d'assez logique. Voilà. Si tu as un argent que tu attends depuis, peut-être tu veux vendre un terrain, peut-être tu veux vendre une voiture. L'argent n'entre pas, tu sens comme s'il y a un blocage financier. Fais ce rituel, il est très efficace. Une fois donc que vous avez allumé la bougie, vous avez fait vos vœux, vous allez donc laisser la bougie brûler jusqu'à s'éteindre toute seule. Ça peut prendre 3 heures, 4, 5 heures, ça va dépendre de la grosseur de la bougie. Mais ce qui est sûr, avant midi, si vous le faites au lever du soleil, avant midi, la bougie sera éteinte. Donc, vers midi pile, vous allez récupérer dans votre billet, le mettre dans votre portefeuille et vous allez prendre le reste de bougie là, enterrer ça dans un pot de fleurs dans la maison. Vous ne jetez pas ça à la poubelle. Vous enterrez dans un pot de fleurs à la maison. Le rituel est très efficace. Je l'ai fait plusieurs fois et plusieurs étudiants de l'école ont également essayé ce rituel. Vous serez très très ravi des résultats. L'argent ne va pas tarder à venir. Que ce soit des sommes 500 euros, 1000 euros, que ce soit en Afrique 100 000, 200, 500 000, 1 million et tout. Ça va dépendre de vos capacités financières. Parce que voilà, chacun a une certaine somme qu'il a souvent. Mais il y a des moments que même la somme que vous avez souvent ne vient pas. Donc ce rituel est idéal pour cela. Les sommes que vous pouvez gérer, vous aurez ces sommes-là. L'univers nous donne généralement ce que nous sommes capables de gérer. Donc, ce rituel est excellent pour revivre vos finances. Voilà. À très bientôt, cher Kamit. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Expérimentez-la. Venez commenter. Et je serai heureux de vous en donner encore plus d'autres rituels de la sorte. Ceux qui ont besoin d'une consultation, n'hésitez pas à contacter moi. Je serai heureux d'échanger avec vous, que ce soit en audio, que ce soit en vidéo. Voilà. Otep, partagez
et à très bientôt.